Et aux ombres. Je me souviens plus d'un temps de trouver quelque chose à faire. Il y a une nouvelle mission. C'est pas le début de la mission pour pouvoir débloquer l'arc ou je sais pas quoi, non? Ouais, c'est ça. Bah d'accord, bah préviens encore plus, hein. Attends. Non, je... Et c'est décoré. Ouais. Ah ouais. Là en fait mais c'est que j'avais pas vu au début. Tu te rends compte que gros j'ai traversé la fontaine sans faire exprès et là je vois il y a un pot de fleurs tu vois vers les triangles sur les côtés on va dire et là je vois un peu, je fais mais c'est bizarre ça, je me retourne, il y a tout qui est décoré. Eh c'est beau, eh c'est sympa, voilà, d'accord. J'ai pas encore mis, du coup, j'ai pas trop de... on verra tout à l'heure, mais ouais c'est sympa. Monsieur, qu'avons-nous? Rejoindre. Ah, c'est une mission. Ode aux fleurs et aux nuages. Alors, c'est là-bas, il y avait un truc à proposer, c'est lire. Ah ouais, désolé, c'est la fête des Alizés. Oh, elle a pas rien pour nous. Oh. Et bah, on va encore aider à faire le festival, j'espère pas. Parler à Marjorie. Ah d'accord. C'est pour ça? Ouais. C'est ça. Bonjour. Ah, ouais. M'aider pendant les fêtes Élysées, haha. Ah bah non plus. Allons à la guilde. Ah bah c'est parti, on va aller à la guilde. Bah ouais, bah allez. Attends, ah ça va, c'est Catherine. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose? Ouais. Il y a moins de missions disponibles, je n'ai rien à vous confier en ce moment. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on est au chômage. Ah mais t'en étais déjà là toi? Bah ouais. Nous j'abonnerai pas si facilement tout le monde. D'accord. Mais... ça arrête de parler. Ah c'est pour vous. Parlez à Flora. Bonjour Flora. Et pas elle non plus. Bah Flora c'est bien la petite là non. C'est la gamine aux fleurs. Bah ouais Flora. Elle parle normal comme d'habitude. Ah ouais. Bah alors t'es sûr ta mission est lancée? Rapport avec le vent et les fleurs. Les fleurs et les étoiles dans mon stade. Un festival d'amour et de liberté. Waouh. Un personnage est impliqué dans une autre pièce. On offre cette. Imagine, c'est dans la quête à Noël. Oh, c'est Noël qui me bloque. bon, voilà. Bon, la tradition aussi qu'on offre des fleurs à la personne qui partage notre cœur. Ah. Hein? Le truc de Noël comme ça. La boutique regorge de clients à chaque fête des Alizés. Un problème qui est le bienvenu. C'est quoi les Alizés? C'est le symbole de cette fête, une fleur qui représente la liberté et l'esprit du vent. Et ça ressemble à quoi? Je pense que c'est une petite. C'est une longue histoire. Comment c'est une longue histoire? Ils sont apparus pour la première fois sans doute il y a des centaines d'années. Je sais pas pourquoi, mais le pissenlit semble être le choix de tout le monde quand il s'agit d'offrir des Alizés. D'accord. Pour les monstres à doigts, qui dit Alizé dit pissenlit. Ouais. Faux, c'est qui Queen? Ah d'accord, un gars qu'on connaît pas. Bah Queen, Queen. Ouais, Queen. Red, il s'appelle Red le gars. Non. Red, qu'est-ce que tu dis? Red. Queen, tu l'as dit, ça s'appelle Queen. C'est ouais, Queen, du stand de fruits. Il y a un stand de fruits. Pour remettre les pendules à l'heure, les Alizés ne sont pas des pissenlits, mais des chrysanthèmes à aube. Ah d'accord. Bon, c'est pour le... hein? Il y a sûrement pas mal de clients qui sont venus t'acheter des chrysanthèmes à aube ces derniers temps, non? Ouais. Vous voyez. Les fleurs défenseurs ont contribué à l'économie. Machin, à aube sont à la fois un symbole de mon stade et une incarnation du moulin à vent. Ah d'accord. Le moulin à vent est une incarnation. Hein? Ah? Et tu es vraiment sûr? Le moulin à vent, il a une incarnation. Béa, toi aussi tu es là. Bon, c'est pas ce bureau, oh, les Élysées. Il s'agit des Sicilia. Bien, oh mais c'est démystifier toutes les fleurs en même temps et puis c'est tout. Je suis sûr qu'on va aller demander à Jean. À Jean.
Moi j'ai fait boule de fleurs, c'est beau ouais, donc c'est barré. Ces deux fleurs ont chacune leur histoire, allez demander à n'importe qui et laisser Cecilia. J'ai jamais entendu parler. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ce gros plan là? Oh lolo, elle est énervée là. Attention Béa, oh hein. Faut pas... Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a d'un coup? C'est toujours comme ça avec les Alizés. D'accord. Je suis nouveau ici, je sais pas. Désolé, je ne vous comprends pas vraiment. Mais la peine de se disputer. Ouais, va t'excuser là. Allez, allez. On sent vraiment l'ambiance de la fête. Waouh, l'ambiance. Oui, oui. La liberté, l'argent animaux, les amoureux, point, point, point. Mais nous, on veut des missions. Ah oui, on sait toujours pas c'est quoi une Alizée. Oh putain. C'est peut-être un tour, hein. Oh. C'est comme les Musubi, hein, c'est un tour. Hein. Bah c'est vrai, hein. Ah, go, c'est parti. Venti. Barde ton pacotille. Qu'est-ce que tu fais? T'as un point nommé, jette un œil à tous mes élèves. Tous mes élèves. Comment ça? Ah, c'est son élève, lui? Bennett, c'est son élève? Non, c'est juste que là, ils vont faire froid au cours de musique, je pense. Recherchant avec diligence une rhétorique sincère afin de transmettre leur affection romantique. Oh là là. Ah d'accord, ok. T'as déjà parlé de la fête des Alizés? Bah oui, un peu. C'est vivant et on sent les gens heureux. Ouais. Moins de soudoyer avec quelque chose à manger. Ouais. Je pense que tu vas adorer. Imagine. Bah nous on n'a rien. Flâner toute la journée sans mission à accomplir et ni personnalité. Vous avez fait un premier pas vers la compréhension de la fête des Alizés. Ah bon? T'as trop content toi. Appartient pas seulement à l'archon Anemo mais aussi à tous les citoyens de mon stade en quête d'amour. Celui qui souhaite trouver l'amour doit tout faire lui-même pendant cette période de fête. D'accord. Pour résoudre d'autres problèmes de cœur, ce n'est pas juste la tradition pendant la fête. D'accord. Cela vous ne vous sentirez pas seul. Bien sûr. Je crois qu'il est grand temps que vous appreniez plus la culture et les coutumes de mon stade. Vas-y. Vas-y, ça m'intéresse, comment ça? Ils veulent apprendre le secret de l'amour, alors ils sont venus me voir apprendre composer un poème d'amour. On va faire de la musique. J'ai accepté bien sûr. Les frais de scolarité si tu me suis. Ils doivent bientôt me voir chacun à leur tour, mais faire les yeux. Dans les suggestions en fonction de chaque situation. Que tu as la bougeotte. On va en continuer. Ok. Oh, pas de temps, je serai. Allez, ok. D'accord. T'es vraiment. Ok. Tu as chevalé normalement ça. Une bonne influence, une excellente opportunité de mettre en valeur. Maintenant, si tu veux, peut-être d'aller à de l'avant et saisir l'opportunité de qui se présente. Ok. Putain, il va me parler en langage codé, il abuse. Comment ça, t'as compris? Comment ça? Tu peux répéter encore une fois? Ça, on va s'en souvenir. Allez, allez. Non, mais oh, il a quoi lui? Il y a un roman, il nous dit. Allez. On va voir les points, on va parler à José, à Marvin. Allez. C'est assez insistant, vous pouvez tout nous dire. Putain, en plus, c'est long. T'as un plan. J'entends dire que vous avez demandé l'aide de la barde, c'est vrai, on est ses assistants. Oh yo yo. Enfin, trouvez le courage d'aller lui parler. Il n'est pas disponible. Il. Ah, bonjour Marvin. Dis-nous tout. Il y a quelqu'un que j'aime bien. Marla. Ah, c'est pas celle que Dorian par hasard. Souvent sa famille avec les travaux, parfois elle est tellement fatiguée qu'elle fait la directement au bord machin. Elle vit en ville.
Bah non, c'est à la ferme. Mon père s'oppose à ce qu'on s'en sort. D'accord, mais il est sympa lui. Chaque fois qu'on peut se voir, on va observer les étoiles à la falaise arc-étoile, arc-étoile, je sais pas comment tu dis. Parce que si ma faute, je lui ai jamais dit ce que je ressentais vraiment. Bah en vrai c'est le moment de le faire hein. Allez, c'est parti. Mais tu veux ? Ouais derrière ouais. Se cache. Soyez courageux, si c'est l'occasion, vous devriez prendre un peu de... Ouais. Putain mais toi t'es en avance sur moi, pourtant j'arrive pas à me prendre de... Allez ouais, putain. Bah quoi, non ? Bah non, un peu quand même. Ah t'as un point d'avance. Quand même. On dit dans la contrôle de faire de mon père. Marla alors, vous ne voulez pas lui donner quelque chose? Bah oui, donne-lui un truc, non? Un poème d'amour. Oula. Tu penses qu'on va faire un poème pour chaque gars? Merci. Ah non, c'est bon. On va pas leur faire un poème, tu blagues toi. Bah faire une événement de musique. Moi j'ai parlé à l'autre du coup. On paraît que c'est Marla. Ah non, Elaine. Oh Elaine. Salut! Alors, il fallait honorer et Paimon. Agent? Mais nous, on n'a même pas de nom, on est chevalier. Légendaire, oui. Des fleurs à Jean, la grande mitra supplante de l'ordre. Bah, vas-y, elle est gentille. Ouais, c'est bon, on est génial, on sait. Quand vous la vente, là, Jean? Bah en vrai c'est vrai hein. C'est un peu la violette de là hein. C'est ce perso hein. Mais si tu peux signer. Pourquoi ça te dérange autant? Son jean, son côté si sérieux, j'ai peur qu'elle m'envoie un cadeau en retour. Ah c'est vrai. Alors toi tu vas répondre quoi? Moi je t'attends, c'est difficile de signer, tu vas réfléchir encore un peu à la question. Attends. Moi je dis que toi, signer ton côté. Je suis d'accord, tu devrais éviter de signer, tu devrais réfléchir. Mais non, mais faut signer. Bah oui quand même. Sinon y a pas de problème en fait. Si c'est petit signe, je calcule même pas ce qu'il veut dire. On s'est réglé, merci mille pour... Mille merci. Je savais même pas qu'on pouvait mettre un S à merci. Voilà. Allez. Allez, on va parler à l'autre là. C'est qui ça? La belle Barbara. Quoi? Albert. Albert reporter. Allez. L'aide, nous sommes cette histoire là. Pourquoi ne pas dire ce qui vous cure Lupine? Ah, j'aime bien ce mot. C'est fan et l'idole de la belle Barbara. La plus mignonne de toute l'église de Favon, c'est vrai. Ses sourires et sa chanson sont toujours là pour aider les Monsalois. Je suis super fan. J'ai même réuni quelques amis partageant mes idées. Ouais, c'est la pop star de mon stade, wesh. Ouais, t'as vu? Ouais. Elle a l'air d'être plutôt fière en plus. Regardez, oh. Sur mes épaules, j'ai promis de cette année je transmettrai la bénédiction à la grande Barbara à l'occasion. Bah elle est pas très grande quand même, mais bon. Là-bas, tu puisses m'écouter, je vais expliquer mon plan. Cueilli pour le moment. Non, il a bu trop feu, il a bu. On n'a pas besoin d'aide, on prévoit les crèmes. Il abuse. Donc ces statues géantes. Deux étages de haut. Ça risque de la déranger avec un... Mais ça va. Mes intentions sont pures. Non mais vraiment, au moment que tu dois dire que tes intentions sont pures, c'est pas très pur hein. Attends, j'ai envie de dire le dernier truc. Attends, faut que j'avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, ok. Vous savez quoi? Mauvais feu vert, mieux vous y réfléchir. Vous êtes sérieux? Vous devriez arrêter tout de suite. Ouais mais j'ai envie de dire mais genre ça, on va pas l'agresser en plus hein. Genre on est pas là pour... Mais déjà au moment où est-ce que tu te dis toi-même c'est bien toi, c'est quoi le mot qu'il a dit? Genre bah non, même lui il a dit que c'était pas bien. Bah ouais hein. Ok, vous devez être sérieux, vous devez arrêter.
plutôt au niveau de la folie, bah oui. La Kalio, ça doit bien marquer le coup. Oui, mais faut pas pousser non plus. Sauf que la chevalier, bon, vous escortez. Ah oui, bah oui. Bah oui. Mais pourquoi pas Ebon, comment lui gagne dessus? Mais rien du tout. Mais il est trop bien, puis bon, oh. D'accord. Mais il a peur surtout là. Il a peur là. Allez, vas-y. Elle l'a agressé. Je te jure, elle lui a crié dessus, s'il te plaît. Mais c'était pas possible. Mais c'est l'autre gros, c'est à partir du moment où est-ce que tu dois te dire ouais mais on a des bonnes intentions, c'est que c'est pas d'ici bonnes intentions, hein, je sais pas. Hein. Alors Veven. Oh il s'en ramène lui. On a donné quelques conseils, ça ramène. Excellent travail, je vous remercie. Bon voyou qui a encore besoin d'aide. Cette voix. Dis-le Kaya, un truc comme ça? Non Tarta, non. C'est qui la voix? Kaya. Ouais. C'est Kaya, il a dit Tarta. Tu passes quoi là? Bah oui, mais c'est oui, mais je suis pareil. On sait jamais. Maintenant, tu vois, son plus grand conseiller matrimonial. Oula. C'est aux gens écrire des poèmes d'amour. Mais là, vraiment, là, on joue à Violette ou c'est comment? C'est full ça, hein. Amour, poème, tu l'écris. Enfin, c'est pas qu'il avait besoin d'aide. Un cours accéléré. Ah ouais? Genre lui. Genre le gars de la haute là il veut prendre un cours. Es-tu prêt à le prendre comme étudiant? C'est les moras sortent de là. Mais pourquoi? Mais le gars c'est le boss, mais il veut des moras. C'est quoi ça? J'ai le droit de faire quelques demandes raisonnables. Qu'est-ce qu'il va demander? Il y a un blob sur la roche, pas mal. Si c'est aux classes, nous devrions avoir des devoirs à faire chez nous, mais d'accord. Ensuite, il faut sûrement exiger que l'on mette nos connaissances en pratique pour que le professeur corrige ensuite nos compositions. C'est-à-dire que Venti doit corriger les devoirs des élèves. Contre paiement, naturellement. Telles sont mes demandes. En d'autres termes, je vais devoir travailler pour gagner ma vie. Aïe aïe aïe. Je suis simplement d'avis à ce que quand on commence quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Ouais. C'est d'accord, c'est ça. Oui. J'accepte ta demande. Un mentor aussi, bah oui, bah oui, bah oui. Oh. Ah, je suis sûr qu'il va demander tout l'alcool. Tout le vin. Tu l'as dit, et je te garantirai de devoir du cidre de pomme édition. Je l'ai dit hein, qu'il a demandé. Je l'ai... Mais oui. Kaya, Bennett. Ah, avant les géosaures. D'accord, les géosaures, oui, la spawn, il y a deux semaines, il en parle déjà. Il y en a même pas à mon stade. Non, mais s'il te plaît. Bouteille, disons plutôt 3. Donnez-lui un doigt, s'il vous plaît. Il prend le. Oh là, désolé. Alors, regarde, c'est quoi ces zooms là? Marché conclu. Ouais! Attends, toi, il parle, Bennett? Non, c'est juste que tu l'avais derrière. Moi, wow, Bennett est vraiment motivé. Alors, c'est vous, Bennett? Kaya, Bennett. Bennett! Ouais, présent! Oh Bennett, le jeune aventurier Bennett vient de mon stade et a de tout temps adoré l'aventure. Mais oula, même si sa légende malchance, sa légendaire malchance le suit à chacune de ses aventures, on le sait ça dans son histoire. Ouais, cette guigne, devenue indissociable de sa personne, rebute beaucoup de ses collègues et peu son enclin à l'accompagner dans ses périples. Cela ne gêne pas l'infortuné Bennett, qui est depuis longtemps habitué à cet état de choses, et ni son enthousiasme ni sa volonté ne faiblissent. Peu importe la gravité des blessures qu'il subit, l'inconnu regorge de trésors qui n'attendent que nous. En avant, la bande de Abeni. La bande Abeni, d'accord. Ah, oui. Alors, merci d'apprécier votre entourage, monsieur Colin, canaliser cette énergie pour votre poésie. Genre Ben, ça serait un gars à faire une poésie?
Mes techniques dans l'art de la composition poétique. J'aimerais que chacun de vous et le remette pour une critique constructive. Oui. Hein? Bah bien sûr. Ok. Ah, ok. Et je me dis que ça va s'arrêter là, mais qu'avec une partie. Ça rentre dans notre attribution en tant qu'assistant. Okay. Wow. Est-ce qu'on est payé pour ça? Mais bien évidemment, non? Il est trop chiant, il veut pas nous payer. Hein. Ouais. Voilà, ouais, non, c'est bien. Oh là là, ouais. On a fini le son de voir, on ira le voir. On... Ok, d'accord. Oui, on a compris, là, c'est la fin du truc, là. Allez. Attends, mais moi, gros, quand je sais qu'on est à la fin, j'ai envie de finir. Ode aux fleurs et aux nuages. Terminé. Il y a encore quelque chose après? Oula! Attendez. Alors là, attends, non, la boutique déjà. La boutique. Oh, des ballons. Alors, déjà, il y a l'arc, du coup. Des vents, oh c'est quoi ça? Matériaux de raffinement. Oh. Ah ça pour améliorer l'arme, ok. Du coup il y a ça, il y a des leçons, il y a de l'argent. Et une lyre. C'est quoi ça? Un gadget. Oh ah bah oui. Eh on va acheter la lyre direct hein, le plus tôt possible. Hein. Premier truc qu'on achète. Hein. Ok. Alors maintenant, on fait quoi? On commence par quoi? Jardin secret et si tu cliques dessus, fais voir. Jardin secret. Ce donjon présente des défis rares qui changent fréquemment et sont imprévisibles. Les aventuriers lui donnent le nom de jardin secret. À chaque fois que vous pénétrez dans le jardin secret, vous devez faire face à 3 défis spéciaux et en fonction de la faconde que vous aurez accumulée, vous obtiendrez différentes bénédictions qui amélioreront votre force durant l'épreuve spéciale à la fin du jardin secret. T'as lancé quoi toi? Grand ménage. C'est quoi grand ménage? Tu vois ça où toi? En fait, c'est par où? Et puis il y a écrit récupérer. Anecdote? C'est des anecdotes? Ouais, c'est ça. Bah, acceptez-moi. Moi, j'ai déjà fait. Ah non. Ah oui, ok, non, d'accord. Bah, go faire, hein, oh. C'est parti. Aramis. Bonjour, Aramis. Oh, qu'est-ce que vous arrive? T'as pas sur la fin, c'est on nettoie, c'est ça, nous consacrons des efforts du temps en nettoyant les pétales, même si je peux m'occuper, c'est la place, je me fais qui sur les toits, c'est un peu avec. Peux-tu m'aider? Oui, bien évidemment. Allez, on va aller l'aider. Oui. Allez, alors, on va nettoyer tout ça. Attends, tu vas la faire comme ça, tu vois que ça marche. Balayer, oh, il me faut un perso au vent, oh, ils font chier. Moi j'ai pris. T'as. Pour. Viaou, je te rappelle, hein. Ouais, je sais. Ouais, mais là j'étais. Oui, non, mais là j'étais avec Tartal, mais si lui l'eau ça va marcher, d'habitude c'est l'un ou l'autre. Mais non. Ouais, mais là c'est balayé, okay. C'est pas nettoyé. Oui, bah bon, on va où maintenant? Tu mets deux sur des feuilles, je suis désolé, mais ça reste par terre, ça colle par terre. Eh hey. Oui. des aventuriers de renom quand même pour grimper comme ça sur les toits. Faut être un aventurier courageux pour le faire quand même. Bah, il manque quoi? Ouais, celui-là. Oh! Ok. Du coup, maintenant on fait ce qu'il y a là. Ok, un dernier. Nickel. Pas mal. Comme ça, encore un truc là-bas. Oh, mais... Trouver le chaton. Ah, d'accord. Oh, t'étais toujours à trouver, toi, dis donc. T'as vu, t'étais. C'était ouais. Vraiment un chaton en fin de compte. Mais comment le chaton il est monté là? Le chaton, y a pas d'arbre, c'est tout. Il a pris les portes. Miaou, miaou, miaou. Ok. Donc déjà à redescendre, mais peut-être qu'Harmonis sera à qui il appartient. Bah oui, comme s'il connaissait tous les habitants, bah oui, logique. Bah, Margaret, ça s'est ramené comme ça. D'accord, bonjour. Ah bah ça va être elle, le chat, je parie. Mon bébé, alors c'est fleur, me disait, bon, non, tu as perdu ton chat. Bah non, il est là, regarde. Le chaton, j'ai oublié son nom. Et oui, il était sur les toits. Bah sur les toits, c'est un grand mot, les toits, c'est les remparts. Hein. Nickel. Évidemment. Merci encore, à bientôt et joyeuse fête des Alizés. Et oui. Je savais pas que le chat était aussi été attaqué par les fleurs. Oh, oui. Vraiment belle surprise et bien heureusement que vous avez retrouvé ce chaton. Il s'en est fallu que aussi qu'il. En plus lui il faut aller trouver le chaton.
À quel moment tu te dis, tiens, je vais aller là. Allez, prochaine mission. Tac. Et elle est longue la bibliothèque ou pas? La mission de la bibliothèque? Ouais. Non, c'est rapide. Tu... En fait, les gens, ils font trop de bruit et tu leur dis de fermer votre bouche. Et puis... Waouh, wow, allez. Pas, ils t'écoutent pas, du coup, tu dis Lisa va venir et du coup, ils se mettent à ranger et puis c'est pas. Ok. Et la Musk, encore elle? Ouais, ouais. Elle en va avoir beaucoup, je crois. Ouais, hein. Elle va avoir un truc, hein. Les plus top brillants ces jours-ci, je ne peux pas étudier les protocoles Linux en paix. Une fois arrivé des Élysées, beaucoup de personnes se donnent rendez-vous ici. Au début, tout le monde se contentait de lire en silence, mais là, discuter s'agite. Et en plus, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est à Wairat de maintenir l'ordre. D'accord. Compte sur moi. Ok. Ils sont... On va faire tout de la musique après. Ouais, bah oui, ouais, totalement, non mais oh. Mais ça fait combien de temps qu'on attend ça? Depuis l'annonce, voilà. Allez toi, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Silence dans la bibliothèque. Désolé, je vais faire attention. C'est juste que c'est parfois plus fort que moi. D'accord. Vas-y, applaudis, fais encore plus de bruit, vas-y. Parfois c'est juste plus fort que soi. Oui, bah tu t'es. Apparemment, c'est rentré dans une oreille et ressorti par l'autre. Oh là là. Aïe. Attention de toi, hein. Moi je vais appeler Venti, tu vas. Ah, moi rigoler. C'est faux, c'est Lisa. Les fluctuations des émotions peuvent influencer l'exactitude des recherches et des analyses ne reposent sur aucun argument précis. On sent mes recherches se heurtent à un mur. Un petit souci nécessaire, ok. Je dois contrôler mes émotions. Ah bah tu demandes à Alex. Non, Axel, Alex. Alex ça s'appelle. Alex ça s'appelle. Oui, c'est Alex. Je sais pas. Marius, le nouveau perso. Je sais pas comment ça s'appelle. Quoi qu'il en soit, vous ne devriez pas parler si fort dans la bibliothèque. Désolé, mais je n'aurai pas l'esprit en paix tant que... Ouais, bah, Et quand même. Et quand même, ils sont vraiment en mode... Oh, bah, t'attends. Je fais ce que je fais. Ouais, t'as vu? Ouais, hein. En mode, tu me laisses, d'abord, je finis là, Veuillez rester. Plusieurs personnes se plaignent du bruit que vous faites. Depuis tout à l'heure. Un obstacle sur le chemin de notre amour. D'accord. Pensez un peu à la personne qui devrait tout ranger sur les étagères. D'accord, compris. Ok. Au pire moment. Et parfois les obstacles du jour se baissent à nous pour nous rester comme si tu avais. Je te le promets sur ma vie. Bah ça va, eux. Vas-y, toujours pousser, allez, continuer les petits mots là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, voilà. Personne ne veut nous écouter. Dis-moi qu'un cri bien fort. Discuter avec... Royat. Putain, il est au-dessus. Je grimpe. Bon, dis-moi qu'on peut grimper. Putain, faut prendre les escaliers. Je crois qu'on doit aller faire tout de suite la musique, là. Bon, bon, ouais. Bah attends, j'arrive. Ah. À propos du bruit de la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Je vois, on va devoir passer à la vitesse supérieure. Lisa a bien dit que tous ceux qui ont enfreigné les règles de la bibliothèque doivent subir les conséquences. Ok. Les conséquences. Corner des pages, mettre des roses dans les livres, les ranger à l'envers. Mais Jean, oh, dis donc. Hein. Il n'y a pas d'effort. Hein. Ok. Vu que maintenant, c'est quoi, on rentre? Attention. Oh, toi, il y a un livre à prendre que j'avais pas pris. D'accord. Ouais, moi aussi, je l'ai pris. Ouais, au-dessus, là. Ouais, au-dessus, avant que tu sautes, là. Ouais, c'est nouveau, ça c'est sûr. Les livres, c'est vrai, il ne faut surtout pas la mettre en colère. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être qu'on va encore le temps de l'enlever. Les coupes, les nettoient rapidement, d'accord. C'est Royal qui a eu l'idée. Wairat, ok. C'est tout. Waouh, quelle mission de qualité! Au moins, on a fait. En plus, en soi. Mais du coup, ça donnait une fois ou deux fois les récompenses? Une fois, je sais pas. Bah comme ça on a donné avant de lancer la mission. Ça pas l'air de lancer. Bah si, au début ça donne des récompenses là. On fait récupérer. Non, ça donne pas. Non, ça, ok, d'accord. Récupérer en fait ça lance juste, tu récupères la mission, en fait, c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais. Connard.